Vous savez que je l'ai dit à plusieurs occasions que la casse s'étend sur environ 40 hectares. Et 40 hectares, ça ne peut pas se traiter en un jour. Ça ne peut pas se traiter en deux jours. Ça dépend de comment nous allons progresser sur le terrain. Mais nous nous donnons le temps de terminer l'opération. Même si ça doit prendre un mois, nous allons le faire. Hier, on était au ministère. On a été convoqué par le DG du ministre. On a parlé de nos sites de regardement au niveau de Ndoutri. Parce que là-bas, on nous dit qu'on avait un 4 hectares là-bas, mais ce 4 hectares là, pas fini. On a 1 hectare et demi en Ndoutri. Et on allait échanger comment regarder les ferrailles sur ces sites-là. Après, nous avons posé la doléance en disant au ministre, en disant au DG, il n'est qu'à trouver une solution avec la mairie pour que nos syndiqués, nos membres aient du temps pour prendre les marchandises, pour faire sortir les marchandises pour les déposer au niveau d'une autre ou soit chez eux à la maison. Et que le DG a accordé, il dit que Chagabouné, le maire Chagabouné serait au ministère dans quelques temps. Donc ils vont échanger ici ça. Le soir, le DG appelle les deux présidents, c'est-à-dire président Diallo Abakar, en lui annonçant que la mairie a accepté 3 jours. C'est-à-dire nous allons faire 3 jours pour faire sortir les marchandises. Donc on a communiqué à nos syndiqués que dans 3 jours, il n'est qu'à faire sortir les bagages pour aller déposer ou quitter. Donc on s'attendait ce matin pour venir dégager le lieu. Et à nos grandes surprises, on nous appelle de 5h du matin que la casse est en train d'être bouclée. Donc mais à partir de 5h du matin, je viens et ce que je viens constater, c'est ça qui est là. Je dis toujours à mes compatriotes de se retenir encore. Je suis construit à la violence.